محل اليوم جيتوا يا حبابي يا محل اليوم اهلا وسهلا اهلا بكم. Je vais commencer par un chant qu'on commence dans les moments très traditionnels chez nous, des moments très importants dans la vie, un mariage, une circoncision. Je vais commencer par ça et après je passerai à ma présentation. Bismillah, bismillah. وصلوا يا المال عليه وصلوا يا المال عليه أحبيبنا وشفيعنا ويربح من صلى عليه هذه قاعدتنا إن شاء الله بالبركة إن شاء الله بالبركة تجمعنا جمعين. Alors je me présente, je m'appelle Maya Asghar. Je viens de l'association Femmes en communication, je viens d'Algérie. Je suis le chef de projet, la coordinatrice du projet RESART. Donc d'abord, je commencerai par présenter mon association. Mon association, c'est l'association Femmes en communication que j'appellerai FEC souvent dans cette présentation. Elle a été créée en 1995. Cette association a été créée quand il y avait le terrorisme en Algérie, il y avait des crimes et des viols et contre les femmes et les jeunes femmes. Je vais vous raconter l'histoire de Fatem Zahra. Fatem Zahra, c'est une femme qui a perdu 20 membres ou 22 membres de sa famille lors d'une soirée. Toutes ces personnes ont été bouillantées, enflammées, écrasées. Un mois après, Fatem Zahra va encore perdre son mari et elle va rester chef de famille sans emploi. Donc, des femmes vont se réunir, surtout des journalistes, ils vont créer l'association Femmes en communication pour parler sur tout ce que subissent les femmes, mais aussi on va créer des projets. Donc, l'association va travailler sur la collecte des signatures d'un million contre le code de la famille, et aussi elle va aussi permettre aux femmes d'écrire. Donc il va y avoir des femmes qui vont écrire, on aura 3 et 20 qui vont être promues. Ensuite, nous allons, dans Femmes en communication, produire ou former des jeunes femmes. Et ça, c'est une des choses qui va beaucoup me plaire dans l'association Femmes en communication. Et je ferai tout à l'association Femmes en communication, même les ménages. Donc je suis ingénieure de formation en géologie. Et je vais m'amuser à faire l'audio, visuel, créer des émissions et travailler sur le réseau. Et aussi une des choses dont on a été formé, c'était écrire des projets. Donc il va y avoir le projet Web Radio, le projet RESART. Et dans le projet Web Radio, parce que l'Algérie ne permet pas aux Algériens de créer leur radio privée ou associative, on crée la web radio Voix des femmes pour parler des femmes et qui fait travailler, donc on forme les jeunes femmes, qui fait travailler 5 jeunes femmes. Donc parmi aussi les projets qu'on va mener, qu'on va créer, ça va être donc, j'ai dit, la web radio, Caravane, RESART. Et dans le processus où on aura affaire à travailler sur les femmes, ça sera par exemple, moi j'exposais dehors avec les artisans. Et j'avais une femme qui travaillait avec moi qui s'appelle Kinza. Et Kinza me disait, mon frère, il ne veut pas que je sorte travailler. Et il me dit, je vais te donner 2 euros pour la semaine. Mais 2 euros pour le mois, pardon. Merci, Foudia. 2 euros pour le mois. Mais 2 euros, qu'est-ce que je vais faire? Je préfère sortir dehors, me cacher, faire des expositions et avoir 5 euros par jour. Donc, par la suite, on expose et je rentre à Femmes en communication et on fait des expositions à l'extérieur. Et un jour, on va vivre un drame. Donc, une bombe va éclater en 2003 et on aura une des artisanes qui va perdre son œil et une autre qui va être défigurée. Donc, on arrête le processus d'exposition à l'extérieur, même avec Femmes en communication qui est exposée avec les artisanes. Et on se rend compte que ça a fait travailler donc 3 personnes. 3 personnes pendant une année, pendant que le chômage était extraordinaire en Algérie parce que le terrorisme nous empêchait de faire des projets.
Après, donc, nous avons... excusez-moi, je suis en train de perdre le fil de moi, mais je suis en train de me rappeler. Donc, après, donc, je rentre donc à la femme en communication. On a 3 ou 4 artisanes. Et le projet qui va le plus me porter, ça sera le projet RESART, Réseau de femmes artisanes d'art algériennes. Ce réseau, donc, on va le créer en 2003, parce qu'on va exposer dehors et on va... avec Mina Zerouk, la Irhama, que Dieu ait son âme. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les équiper avec l'aide de la coopération canadienne. Et on va leur donner des métiers à tisser, des machines à coudre. Mais ça ne suffit pas, on n'est pas satisfait de ce travail-là. On se réunit une autre fois et on crée un premier prototype de leur travail. Et en 2006, donc, on crée le premier prototype et on se regroupe toutes pour louer un magasin. Dans ce concept-là, je leur prête donc, pour le loyer et elles vont rendre l'argent avec les 10%. Ça va être notre premier concept pour faire le premier RESART avec une très très grande galerie, une galerie d'exposition qui va montrer leur travail, montrer leur capacité et ça va être la première expérience d'économie solidaire en Algérie. Exactement. Donc je retourne sur notre projet de RESART qui va aussi être soutenu par l'Union européenne et la coopération espagnole. Et on va travailler sur le design, sur la création de la tradition et la modernité. Il y a une styliste designer qui va suivre les artisanes et qui va leur permettre de conceptualiser leur travail et leur création. Après la suite, on va faire un défi art qui va montrer leur capacité de travailler. Cette expérience qu'on a menée avec les artisanes, puisqu'on les a formées à avoir confiance en elles, ces artisanes vont donc rentrer à l'association et dire « je ne sais pas lire, je ne sais pas travailler, je ne suis pas prête ». On va les former et elles vont être sûres d'elles et dire « je suis fière d'être artisane, je suis fière de porter les valeurs algériennes, je suis fière de porter mon identité ». Donc, après le travail qu'on a formé, l'association, donc, à travers notre travail en groupe, on va être sûr que les artisanes vont être des chefs d'entreprise, vont pouvoir créer leur propre projet. Et puisque nous les avons formés, coachés, et nous leur avons donné la capacité de devenir elles-mêmes porteurs de la culture algérienne, de notre patrimoine. J'ai parlé un peu de notre expérience et j'ai parlé aussi des bailleurs de fonds ou des gens qui ont donné. Et dans excusez-moi, je suis émue. Dans ce partage-là, il y a les artisanes elles-mêmes qui vont elles aussi partager puisqu'elles vont co-louer le magasin où elles travaillent ou la galerie. Notre difficulté, nous, en tant que femmes et en tant qu'association, en tant que femmes artisanes, c'est d'avoir des financements. C'est pour ça que j'ai parlé des financeurs qui nous ont financés. En Algérie, si vous êtes une équipe de foot masculine, et si vous demandez des financements, on vous les donne. Mais si vous êtes une association féminine, même de sport, et que vous demandez les financements, vous n'aurez pas le financement parce que c'est une vraie course pour avoir les financements. Donc, je vous remercie pour votre attention. Maya Asghar, de l'association Femmes en communication d'Algérie. Merci.